ダリガニオンゴ、ワナシテイロ、カリワワシントンのマシオコンノシ、ダイトリオヨシワシントン、エノラ。え、ワタシワユムコトガデキマツュ?アナタガワルイデスウン?ソリワチサナエラデス?ワスリテクダサイ。アナタガオアイディアル、アジワシル、アナタワシバツサラバツ。ナニ?ワタシワワタシノケンゲノウシナウコトニラル?セプクニアルチェケイ。ワタシワマチガテイタ。 À ce moment-là, je mange les nouilles, puis je me réveille. Ah, vous faites des rêves chelous, monsieur ? Ouais, mais ça fait sens, parce que, voilà, j'ai commis une erreur. J'ai senti mon honneur bafoué, et du coup, voilà, je me fais seppuku. C'est quoi, en fait, seppuku, monsieur ? C'est le vrai nom japonais pour Harakiri. Ah ouais, truc de suicide pour les ninjas, là, avec le shoryuken et tout, ouais. C'est ça, hein ? C'est pas ça, hein ? Ok, bon, allez, on va faire un petit tour pour tâter le terrain. Boulier. C'est quoi la question, monsieur ? Les samouraïs, c'est quoi pour vous les samouraïs ? Attendez. Mademoiselle Beaumont. C'était des mercenaires en armure qui maîtrisaient l'art du combat au sabre ? Bon, ça vous est revenu, Boulier ? Je dirais que c'était des héros vengeurs solitaires avec des valeurs proches de la nature qui protégeaient la veuve et l'orphelin. Manchard, un dernier mot ? C'est le nom d'une sauce kebab ? Bon, allez, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. La figure du guerrier japonais, c'est très ancien. J'ai envie de dire sans déconner. En remontant loin, on trouve le terme bushi. Dès le Japon primitif, les bushi combattaient dans les affrontements des nombreux clans qui constituaient la société sous la domination de l'empereur, un gars qui était considéré comme le descendant de la déesse soleil. C'est seulement au Xe siècle qu'apparaît dans les textes le terme samouraï, littéralement celui qui sert. Bushi et samouraï, c'est pas tout à fait des synonymes, hein. Y a des nuances subtiles, mais c'est compliqué, slash on n'a pas le temps, slash c'est très compliqué. Dans la société, les guerriers vont avoir un rôle de plus en plus important au cours de la période Heian, en particulier durant la guerre de Genpei, où vont s'affronter deux clans majeurs, les Minamoto et les Taira. En 1192, le clan Minamoto l'emporte, et son chef Minamoto no Yoritomo prend le titre de shogun, ce qui se traduit par chef militaire. Ce dernier devient le véritable dirigeant du pays, l'empereur étant alors relégué à un rôle religieux. Sur le territoire japonais, les clans restent une force importante, et leurs samouraïs vont s'illustrer pendant une période d'environ un siècle de quasi-anarchie et de combat pour le pouvoir, qu'on désigne sous le nom des royaumes combattants, qui commencent fin 15e avec les guerres d'Onin. Fin 16e, le climat va se calmer avec le triomphe du clan Tokugawa, qui place en tant que shogun Tokugawa Ieyasu. Le début de ce règne va marquer à la fois une période de paix et de stabilité, mais surtout de règlement strict de la société, associé à un renfermement du pays sur lui-même. À ce moment, les Japonais seront plus autorisés à quitter leur pays, les relations à l'extérieur seront coupées, et le Japon s'isole pendant près de 2 siècles. Cet isolement est rompu avec l'arrivée en 1853 de la flotte américaine du Commodore Perry à Tokyo. En gros, un jour, ils se pointent avec des putains de gros bateaux militaires super équipés qui font peur. Ils leur tirent pas dessus, hein. Ils vont se contenter de montrer leurs muscles en disant « Hey les cocos, il serait peut-être temps d'ouvrir vos frontières, hein, qu'est-ce que vous en dites ?» Dès lors, la société japonaise se divise entre les partisans de l'occidentalisation, favorables à l'accueil des étrangers et de leur commerce, et les conservateurs qui aimeraient bien chasser ces barbares qui mettent le pays en péril. Et voyant que le shogun s'oriente plutôt vers l'ouverture, des soulèvements se produisent. Là, on cherche à remettre l'empereur au cœur du pouvoir, histoire de se débarrasser du shogun, et en 1868, c'est chose faite. Le shogunat prend fin à la suite d'un coup d'état, et l'empereur est restauré à un rôle politique central, ce qu'on appelle la restauration Meiji. Malgré tout ça, ils se rendent bien compte que si un jour ils veulent avoir la puissance nécessaire pour botter des culs comme les ricains, va falloir s'ouvrir à l'occidentalisation, finalement. C'est là que la société japonaise connaît d'importantes réformes. Parmi les réorganisations, il est notamment décidé que l'armée sera maintenant constituée de civils. Décision qui emmerde bien les samouraïs les plus conservateurs, qui vont alors enchaîner les révoltes. La plus importante, et surtout dernière de ces rébellions, étant celle de Satsuma, en 1877, qui par son échec, va marquer symboliquement la fin des samouraïs. C'est justement cette bataille dont il est question dans le film Le Dernier Samouraï, d'Edward Zwick, avec Tom Cruise, là, dans 90% des plans. Que j'appelle personnellement un Tom Cruise porn, un long métrage de 2004 qui se veut historique et qui va bien nous servir aujourd'hui. Voilà pour résumer brièvement le contexte. Maintenant, on va revoir chaque point que vous avez soulevé.
Premièrement, les samouraïs sont des mercenaires. Cette idée, peut-être que ça vient du rapprochement naturellement établi entre les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa et son remake américain Les 7 mercenaires de John Sturges. Les 7 samouraïs, c'est une œuvre majeure du cinéma de divertissement qui inspirera beaucoup de réalisateurs. Sérieux, c'est juste hallucinant le nombre de trucs qu'on n'aurait pas eu si ce film avait jamais existé. Parmi lesquels Star Wars, tous les westerns de Sergio Leone ou encore Mille et une pattes. Et j'aime bien Mille et une pattes. Les 7 samouraïs racontent les déboires d'un petit village japonais du XVIe siècle en proie à des attaques fréquentes par des bandits de grand chemin. Pour défendre leur derrière, les villageois décident de recruter 7 guerriers afin de les protéger. La version américaine reprend exactement la même histoire, transposée dans un petit village mexicain qui sera défendu par 7 beaux cowboys bienveillants. Donc il y a déjà un petit parallélisme qui s'établit entre samouraïs et mercenaires. Sauf que dans les 7 samouraïs, bah c'est pas des samouraïs. Les personnages décrits dans le film sont en fait des ronins, des guerriers errants sans maître. L'appellation samouraï est employée à tort et correspond pas vraiment à la définition du guerrier samouraï. Pour vous expliquer, au tout début, le terme samouraï correspond effectivement à une partie des guerriers, mais très vite, ça devient une classe sociale, voire une caste. En fait, on peut même dire que ce sont des aristos. Ils ont des privilèges, une éducation soignée, une connaissance dans plein d'arts différents, comme la danse, le théâtre, la poésie, etc. Ils sont socialement séparés du peuple et se reproduisent entre eux à coups de mariage arrangé au sein de la caste. À mesure que le temps passe, la fonction de guerrier des samouraïs va même s'atténuer, en particulier quand le pays sera en paix. Pendant la fameuse période Tokugawa, ils vont même exercer des fonctions administratives. Vous avez déjà associé samouraï à paperasse ? Bon, monsieur. Ah oui, pardon. Non, parce que merde aussi, quoi. Les samouraïs sont tous des mecs. Bon, peut-être vous allez me dire que les femmes samouraïs, ça avait sans doute existé, mais que ça devait être rare. Ce qui est, dit comme ça, une belle connerie. Comme je viens de vous l'expliquer, les gens de la caste se mariaient exclusivement entre eux, ce qui implique par définition que les nanas étaient des samouraïs au même titre que les hommes, pour ce qui est du statut. Et c'était pas que de la bobonne qui attendait sagement la maison. Des guerrières de terrain, il y en avait. Je peux vous citer Tomoe Gozen, une femme samouraï qui a inspiré bon nombre de légendes à son sujet. Puis bon, de toute façon, même celles qui allaient pas se battre en dehors du village, elles avaient généralement l'entraînement nécessaire pour défendre le clan en cas d'invasion, hein, et parfois jusqu'à la mort. On peut dire que tout le monde avait une paire de couilles chez les samouraïs finalement, pas vrai? Ouais, non mais tout à fait. Par contre, c'est un peu sexiste, hein, je vous retire 2 points pour le prochain partiel. Des experts du sabre. Alors effectivement, parmi les nombreux privilèges, ils étaient les seuls à avoir le droit de porter des sabres. Donc cette arme, elle paraît indissociable du samouraï. Pour autant, ils n'avaient pas que ça pour se battre. À l'origine, l'arme privilégiée du samouraï, c'est l'arc. Le sabre est arrivé bien plus tard, et ils ne l'utilisaient pas pendant tout le combat. Autant il y en avait qui maîtrisaient bien le sabre, autant il y en a d'autres, bah c'était pas leur truc, et ils préféraient la lance, l'arc, d'autres trucs, etc. Un élément plutôt bien respecté dans le film d'Edward Zwick, hein, le personnage de Nobutada s'illustrant davantage l'arc bandé que la lame dressée. Mais du coup, monsieur, vous nous conseillez de le voir, le dernier samouraï, ou pas? Ah bah carrément, non, mais c'est d'un point de vue divertissement, c'est tout à fait prenant. Je veux dire, musique épique, combat dantesque, histoire dramatisante, c'est l'éclate assurée pour les mirettes, hein. Oui, mais d'un point de vue historique. Ah, bah non, c'est de la grosse merde. Outre le fait que le dernier samouraï s'inspire librement de faits historiques réels, mais pas mal remaniés, c'est quand même pété de bullshit, hein. Le fait est que l'action du film se déroule au 19e siècle. Mais là, Edward Zwick nous représente des samouraïs accoutrés comme au Moyen-Âge. Ok, les armures sont super classe, hein, y'a pas de problème, mais en gros, les mecs, bah là, ils sont allés dépoussiérer les fringues de leurs arrière-arrière-grand-papy, hein. Et quand je vous dis que les samouraïs utilisaient pas que le sabre, c'est aussi pour vous préciser qu'ils avaient assimilé l'utilisation des armes à feu depuis des siècles. À cette époque, c'était pas seulement les Européens qui utilisaient les armes à feu, hein. Nos potes, ils sont modernisés aussi, y a pas de raison. En fait, dès le 16e siècle, les marchands portugais avaient apporté des arquebuses et autres machins à poudre sur l'archipel. Les samouraïs se sont pas privés pour s'en servir, hein. Dans certaines batailles, ils sont même allés jusqu'à l'affrontement au canon. Ce qui est intéressant, c'est qu'Edward Zwick a choisi de représenter ses samouraïs de manière très archaïque, de sorte qu'il contraste clairement avec l'armée japonaise et ses nouvelles technologies de guerre. J'imagine que le gars a voulu passer un message écolo-bateau à base de guerriers proches de la nature opposés à la vilaine mondialisation manufacturière qui fait des méchantes mitraillettes. L'honneur du combat au sabre face à la couardise des tireurs à distance. Allez, viens me battre, sale lâche! Oh merde! Bon monsieur, vous êtes avec nous là ou quoi? Oui, tout ça pour dire que ça n'a jamais effleuré l'honneur des samouraïs d'avoir recours à des armes à feu. Des héros protégeant la veuve et l'orphelin. Les samouraïs, c'est pas nécessairement des défenseurs de grandes causes, hein. Alors certes, il y a des valeurs, un code d'honneur, hein, c'est ce qu'on appelle le Bushido. Certes, le samouraï doit faire preuve de compassion, de courage et pas avoir peur face à la mort. Mais ils sont pas tous conduits comme ça. Ça reste des guerriers qui défendent les intérêts de leur maître et de leur clan pour le pouvoir. Rien à voir avec des élans de solidarité. Faut pas oublier que ce sont des aristos, hein. Ils cherchent davantage à défendre leurs prérogatives que celles d'un peuple auquel ils se mélangent guère. La révolte de Satsuma, c'était surtout des samouraïs conservateurs qui étaient pas chauds à l'idée de perdre leurs privilèges, hein. Ils voulaient surtout pas devenir égaux avec le reste de la société. Est-ce qu'ils massacrent qui à la fin, hein?
Tom Cruise, il le dit bien. C'est une armée de conscrits. Beaucoup d'entre eux sont des paysans qui n'ont jamais tenu une arme. Ah voilà. Du paysan qui avait rien demandé à personne. En fait, depuis le début, il y a tout chez les samouraïs. Certains ont soutenu la modernité, d'autres non. La classe n'est pas homogène. Il y a des puissants, des rangs super compliqués, selon que tu sois relié à telle ou telle famille, ou que tu sois pauvre, riche, etc. Donc forcément, pas étonnant qu'ils aient pas tous défendu les mêmes idées. Allez, pour terminer en beauté, je vais revenir un petit coup sur le harakiri. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le terme seppuku est utilisé dans les textes japonais. La traduction littérale, c'est coupure au ventre. Harakiri, ça veut pratiquement dire la même chose, au détail près que c'est plus vulgaire, et que du coup c'est moins utilisé par les japonais. Alors ce suicide rituel perpétré uniquement par les samouraïs, c'est multitâche, hein. Ça peut laver la honte, être un acte de protestation contre un ordre qu'on n'a pas envie de suivre, ou alors un châtiment qu'on inflige. Dans tous les cas, ça reste une mort super honorable. Mais ça a surtout la particularité d'être régi par des codes super stricts, mais genre abusés comment c'est trop strict. C'est tellement précis qu'il y a vraiment peu de films qui semblent représenter un seppuku sans commettre d'erreur. Alors tant qu'on l'a sous la main, on va en profiter pour analyser un petit passage dans Le Dernier Samouraï. Alors, quelle meilleure occasion de se faire seppuku qu'après s'être bien foutu la honte en foirant une bonne bataille. Pour notre papy samouraï, pas de temps à perdre, c'est le moment de se suicider avec classe. Ok, alors je coche le barème, s'habiller en blanc, check. Oui, parce que le blanc c'est la couleur de la mort au Japon, hein. Nous c'est les trucs gentils, genre le mariage, la pureté, enfin voilà, eux c'est le suicide. Être à genoux, check. S'ouvrir le bide, check. S'ouvrir un bon coup et se faire décapiter par un gentil assistant attentionné, check. Ok, donc ça va pas du tout, allez 8 sur 20. Vous repasserez l'examen l'année prochaine, hein. Bah non, je suis con. Alors, je sais, dans le film, à ce moment-là, le papy, il a certainement été contraint de faire avec les moyens du bord, mais là, il manque la moitié. Déjà, notre samouraï aurait dû boire une petite coupe de saké. Saké, saké, saké ! Saké ? Ensuite, il aurait dû rédiger un petit poème à placer juste devant lui, mais surtout, figurez-vous que la décapitation, elle doit pas être totale. Normalement, il faut qu'un petit lambeau de chair relie encore la tête et le cou, de sorte que cette dernière pendouille le long du corps, nonchalante, balançait de petits rebonds au gré du vent. Quand je vous dis que les Japonais, c'est un autre niveau, quoi. La figure du héros au grand cœur, telle qu'elle est représentée dans de nombreux films, c'est devenu une sorte de mythe national qu'on a assaisonné à toutes les sauces. Akira Kurosawa admettait s'être inspiré des westerns de John Ford pour faire les 7 samouraïs. L'ironie est que ce film japonais deviendra par la suite une référence pour de nombreux réalisateurs, tels que Sergio Leone. C'est donc par des échanges permanents entre les westerns américains et les films japonais que s'est développée cette sorte d'hybride du samouraï et du cow-boy au cinéma, surtout à partir des années 60. Concernant Le Dernier Samouraï, le film semble vouloir faire un autre type de parallèle, concentré sur le lien entre les samouraïs et les Amérindiens. Le personnage de Tom Cruise, traumatisé par un massacre auquel il a participé, se prend d'affection pour les samouraïs conservateurs, en projetant sur eux les guerriers à la peau rouge. En se ralliant à leur cause, il perçoit une occasion de rédemption pour tous ces meurtres, en perpétuant d'autres massacres. Enfin bon, ça c'est pas le... Cette volonté du réalisateur de représenter le samouraï en tant que défenseur des valeurs traditionnelles permet certes de retracer une fresque épique, des plus captivantes en termes de divertissement. Cependant, cette grosse réinterprétation est tout à fait incohérente avec les véritables motivations des samouraïs de Satsuma, qui, je le rappelle, avaient mené cette révolte pour protester contre la perte de leurs privilèges. Et tout ça sans parler du fait que la plupart des personnages soient fictifs, hein, dont celui qu'incarne Tom Cruise, vaguement inspiré de la véritable histoire d'un officier français, ici remplacé par la fameuse figure du héros américain. Au cinéma, c'est toujours intéressant de constater cette volonté d'américanisation de l'histoire. Ça semble toujours justifiable en termes de business, hein, par la nécessité d'offrir au spectateur américain une image identifiable qui arrivera à le convaincre d'acheter une place. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur les samouraïs, hein. C'était dense, mais je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel. Voilà, donc à la prochaine, hein, et n'oubliez pas, on va faire court. Mais du coup, monsieur, vous nous dites pas c'est quoi l'origine de la sauce samouraï? Ah Bah c'est belge. Toujours dans la description, vous pouvez faire des propositions sur les prochains thèmes que je pourrais aborder. Je remercie Quentin Lézette qui, la dernière fois, a proposé les samouraïs. Et puis n'oubliez pas éventuellement de proposer des films aussi dans les suggestions, parce que ça peut être des pistes intéressantes et pertinentes. Et puis comme d'habitude, merci à tous ceux qui se sont abonnés pour soutenir la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est vraiment comme ça que vous pouvez aider le programme à se faire mieux connaître. Donc je compte sur vous. Voilà, à la prochaine. J'ai senti mon honneur favorable à l'accueil des êtres. Des étrangers, l'ovulation du shogun. Mais qu'en gros, ça devait être rare. Et les autres qui sont cons et qu'il faudrait les enterrer dans un puits. Les empuiser. Des experts du sabre. Qu'ils avaient complètement assimilé l'utilisation des armes à feu. Bitch. Les lunettes qui tombaient sur mon nez. Ça faisait...
C'est une œuvre majeure du cinéma.